Alors déjà, ceux qui me connaissent pas, c'est de leur faute. Je sais pas, concentrez-vous en fait. Non, je suis un jeune rappeur. Enfin, je suis un jeune, je sais pas, est-ce que c'est du rap? Je n'en sais rien. Est-ce que je vais réussir à me présenter déjà? Je ne pense pas. Allez écouter Sans Nom sur Spotify et vous allez kiffer. Je suis très mauvais présentateur. Je représente les imprésentables. Donc je ne me présenterai pas. Je sais que les rêves se cassent, je sais que les veines se taillent. Mets tes doigts dans mon cou, font des zigzags. Je sais que des guerres se passent et que des frères se battent. Mets tes doigts dans mon cou, font des zigzags. Font des zigzags, font des zigzags. Font des zigzags, font des zigzags. Je sais que les rêves se cassent. Mets tes doigts dans mon cou, font des zigzags. Oui, c'est vrai. Oui, on avait fait un truc où j'avais dit que je redoublerais tout parce que t'en n'avais pas eu l'image. Et c'était impossible, ça me demandait genre 5 jours de travail, c'était infernal. Ouais, c'était à tout réécrire et tout, c'était genre regarde un film et tu réécris tout sur un papier. Non. J'ai trop de trucs à faire quand même. Pas tant, mais un peu. Ça c'était, avec du recul, c'était drôle, mais c'était une idée de merde. Mais ça nous a coûté plein de streams. Il y a plein de gens qui se sont dit, ah bah c'était juste une blague, et 2 jours après on rebalance un truc, et du coup il y a plein de gens qui ont dit bah... Ben non, c'est juste une blague, alors qu'il y avait vraiment un projet. Donc c'était malin, mais non. C'était pas malin en fait. Mais c'est pas grave, je regrette rien, c'est très drôle. Et si une chanson est bien, elle marchera. C'est-à-dire que les chansons n'étaient pas bien, visiblement. Non, je rigole, j'ai vu les chiffres, je les regarde jamais. J'ai fait, waouh, mais c'est bien. Je crois qu'on a fait 4 millions de streams en tout. C'est bien, hein. Un bon 60€ de SACEM. Oh, c'est gentil, Shader. Est-ce que ça serait pas un peu tôt pour en parler? Moi, j'ai toujours eu ce questionnement. Les gens disent beaucoup, c'est son chef-d'œuvre. Est-ce qu'un chef-d'œuvre, on est censé en avoir qu'un? Non? Bon, bah alors j'accepte. Parce que sinon, ça voudrait dire que ma carrière est finie, en fait. Bah, bravo. C'est à peu près ça. Je suis pas forcément toujours d'accord sur le terme pudique, parce que je crois pas être hyper. T'as trouvé de la pudeur? Je me laisse une marche pour l'album d'après. Qui sera très impudique. Mais ben non, mais j'apprécie tout ce que t'as dit. C'est vachement bien résumé. C'est un peu comme si je me dévoilais à travers d'autres choses. Il y a beaucoup de thèmes et comment dire les choses intelligemment. Je précise, je suis malade comme un chien. J'entends rien d'une oreille, donc mon cerveau là, il est à 2 max. Et non, mais oui, c'est ça. Il y a un peu de dévoilement personnel. Mais ça se dit dévoilement personnel, j'ai l'impression que non. Bah maintenant ça va se dire, j'ai lancé une mode. Mais oui, c'est beaucoup à travers mes réflexions sur le monde que j'en apprends un peu plus sur moi-même. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est super. Mais en gros c'est ça, ouais. Et ça m'a permis, en fait c'est en écrivant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand j'écris quelque chose, enfin pas moi forcément, mais les gens, quand on parle quelque chose sur le monde ou... En fait... c'est rarement pour donner une... Enfin si tu peux donner une idée ou quoi que ce soit. J'arrive pas du tout à formuler cette phrase. Mais moi en fait elle est très très claire dans mon cerveau. Mais en gros je pense que quand t'écris sur le monde et que voilà, mais en fait c'est plus des pistes de réflexion pour toi-même que... Moi souvent on m'a dit oui toi t'as dit ça dans une chanson donc tu penses ça. Non, je me questionne moi-même quand j'écris quelque chose en fait. Et c'est... Je pense que c'est intéressant de prendre ce prisme que juste de dire je, de se dire ah tiens on va parler d'un problème de société, d'accord, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je vais en penser, et du coup ça me permet de comprendre moi-même ce que je pense en fait, parce qu'il y a plein de moments, moi par exemple je suis une vraie quiche en débat, c'est terrible, où quelqu'un va me dire qu'est-ce que tu penses de ce sujet là, et je peux passer 3 heures en mode mais qu'est-ce que j'en pense, et il y a des gens qui en parlent, et il y a des gens qui parlent mieux, enfin il y a des fois il y a quelqu'un qui parle mieux que quelqu'un avec lequel je peux être plus d'accord, mais vu qu'il parle mieux, je me dis ah putain, son élocution elle va peut-être me faire changer d'avis, alors que non, ils sont très dangereux les gens qui parlent bien, et y en a trop. Là par exemple, moi je suis pas dangereux et je parle très mal, donc faites confiance à moi. Ouais, mais en vrai, j'ai un bout de moi qui les admire un peu, même si je les hais pour ça. Parce que moi, pour avoir une piste de réflexion sur un truc, faut que je passe 7 heures sur un sujet. Et en plus, faut faire des rimes. Donc, je suis quand même un peu meilleur qu'eux. Parce que vous, ça rime pas. Vous êtes en prose, bande de merde. Mais avoir un avis sur les choses. Je pense que je suis. J'avais vu le documentaire sur Relsan où il était invité à une émission Ce Soir ou Jamais, je crois. Une émission de débat. Et il savait pas ce qu'il foutait là. Et ils lui ont posé une question sur je sais pas quoi, un problème d'actualité. Et il a fait. Et il a bugué en mode, mais qu'est-ce que je pense de ça? Est-ce que je suis censé penser quelque chose de ça?
Et lui, il est un peu pareil. Il avait dit dans une interview que lui, pareil, il mettait des émotions sur les choses et qu'il donnait pas vraiment un avis clair sur les choses. C'est juste, c'est des pistes de réflexion en fait. Moi, je suis beaucoup dans la piste de réflexion. Je déteste les certitudes et dire je pense ça, c'est ça. Sauf les droitards, ces enculés. Facile, c'était trop facile. Ah super, et Kanye West, parce que franchement il déraille. C'est, franchement, si c'est juste de l'ultime provoque en mode troll, c'est le roi du monde. Mais je crois pas. Bref, on n'est pas là pour parler de Kanye West. Oh, tu me fais peur avec tes termes de porte-parole d'une génération. Ça peut me faire arrêter la musique, des choses pareilles. T'as dit un mot qui est important, c'est l'axe. Pour moi, le plus important, c'est l'axe. C'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis, tu prends quel biais pour dire les choses. Ça, c'est très important. Moi, j'ai gardé ça de la chanson française où... Enfin, si tu dis juste, tu dénonces juste un fait comme ça, ça n'a pas d'intérêt, ça fait pas une chanson, c'est un tweet, quoi. Mais là, l'important, c'est l'axe. Et par exemple, des mecs comme Brassens ou quoi, ils me fument par des fois le fait de prendre un biais et de parler d'un propos, enfin, d'avoir un propos, en prenant un axe où je fais putain, enfoiré. Mais il a fait une chanson où il défend un peu des choses contre lesquelles il a été en guerre un peu longtemps. Enfin, faut l'écouter, c'est beaucoup plus simple à capter. Mais il prend l'axe de Don Juan. Par exemple, il dit merci aux flics qui laissaient traverser les chats de Léoto alors qu'il est un peu contre les flics. Merci au curé qui a défendu son ennemi pendant le meurtre de la Saint-Barthélemy. Et gloire à Don Juan qui a sauté toutes les femmes qui étaient insautables. Il prend un espèce de d'axe comme ça, je l'explique très mal. Mais voilà, l'important c'est l'axe. J'ai donné un exemple beaucoup trop long. Ça sera coupé. Parce que je l'ai rencontré. Ah bah ça s'invente pas. Hein. J'ai pas commencé à parler d'amour juste pour vendre des disques. Il y en a assez qui le font. Les escrocs. Le nombre de gens qui écrivent des chansons d'amour, ils sont pas amoureux. C'est pour ça que les chansons elles sont pas bien. Ah, ça se trouve les miennes sont pourries aussi, mais au moins c'était sincère. Alors j'ai écrit ça il y a 2 ans, là depuis je suis un amoureux brisé. C'est l'étape logique suivante. Hein. Du coup il y aura des chansons de rupture après. Ah ouais, ça dure jamais longtemps ces trucs là. Moi je suis beaucoup trop troubadour pour qu'on m'aime longtemps. Oh c'est horrible. Ah c'est horrible pour moi, c'est chiant. Ouais bah c'était ce que je voulais ça. Le côté structuré, ouais. Et le moins potache. Parce qu'une blague, elle dure moins dans le temps, à moins qu'elle soit exceptionnelle. Mais sur 900 blagues, il n'y a pas 900 blagues exceptionnelles. Donc même s'il y a des blagues que j'aime bien faire, et que voilà, par exemple, je m'autorise avec des Saint-Tropez ou des Si j'étais pas né, le côté potache, mais avec une réflexion derrière. Et c'est ça le plus important. Juste faire poète-poète. Je m'étais un peu enfermé là-dedans, ou le clash facile avec la petite blague, avec le petit sourire en coin. Ça, je le garde pour mes copains. Mais bon, je vais pas faire 900 albums avec hey, coucou, je suis le petit fanfaron. Non, c'est bon. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus de cible. Ou c'est trop facile. Et j'ai entendu un morceau de. Désolé, je parle beaucoup d'Orelsan, mais parce que je découvre 1000 ans avant, après tout le monde. Et j'ai entendu une phrase où il dit si tu tires sur l'ambulance, bah t'iras tout seul aux urgences. Un truc comme ça. Et j'ai fait ah, c'est bien ça. Et ça fait. Ouais, c'est ce que je voulais. Vu que l'idée, c'est un peu un mec qui zappe. Quand tu changes de chaîne, tu peux autant tomber sur un documentaire animé Mali autant que sur le Big Deal, quoi. Donc, ça passe encore le Big Deal, plus du tout. Hein. Mon DJ beatmaker ami. Ouais, on a beaucoup travaillé ensemble. C'est surtout lui qui a réalisé l'album, globalement, avec M3L. C'est mes deux collaborateurs proches, fidèles et amis, très forts. Et ouais, ils ont fait un taf de malade. Et ils sont trop forts. Je le dis à tout le monde, mais. Mais il faut pas que je le dise trop parce qu'après ils vont bosser avec d'autres gens et je les garde en otage. Parce que c'est sûr, après ils vont travailler avec des gens plus talentueux que moi et du coup, moi je vais tomber aux oubliettes directement. Donc je les garde. Ils sont pas pour vous, c'est mes copains. Non, et puis c'est surtout, ouais, ils ont peut-être du talent, mais c'est des raclures humaines. C'est pour ça qu'on travaille ensemble d'ailleurs. On s'entend très bien. Je pense que c'est les deux, c'est à force d'écouter plein de trucs à texte où je me suis dit, ouais, là je suis clairement pas au niveau. Du coup, je vais travailler beaucoup. Et moi, avant, où je faisais plein de morceaux directement en studio, des trucs que j'écrivais en 20-30 minutes. Là, tous les morceaux, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps sur chaque morceau à me relire, à corriger des choses. Donc, c'était une volonté, ouais, de faire un truc un peu plus réfléchi. Mais après, comment ça s'est fait, je sais pas. Je sais que j'ai eu des grands moments de réflexion où j'ai dit j'arrête tout. Et puis, non. Il y a un moment, je suis allé voir justement Sabesh Prod, je crois que c'était.
fin 2020, j'étais en train de découvrir Twin Peaks. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, j'arrête la musique, je vais faire du cinéma. Il m'a regardé, il me fait, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et il a même pas considéré ce que j'ai dit. Ouais, 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 allez, c'est ça, puis moi je suis pêcheur. Et j'ai fait, ok. Et deux jours après, j'ai repensé à ce qu'il m'a dit. Je fais, bah oui, je vais pas faire de cinéma, j'y connais rien. Alors que la musique, je baigne dedans depuis que je suis tout petit. Enfin bref, c'est débile. Je vais fermer ma gueule et puis on va faire un album. Ouais, c'est mieux. Ok. C'est le, mais je pense que c'était la bonne. Plutôt qu'essayer de comprendre, il m'a dit, allez, vas-y, va faire du cinéma. Et vraiment, j'ai le terme où il m'a dit, ouais, moi je suis pêcheur. J'ai fait, ah le bâtard. Il est pas pêcheur du tout. Hein. Ça pêche. Ça pêche prod. Ah, il va adorer, je vais l'appeler comme ça tout le temps maintenant. J'en sais rien, c'est. Je préfère plus du tout me catégoriser. Je fais ce que j'ai dans la tête et c'est très bien. Je peux dire que je ne suis pas Rasta. Ça, c'est sûr. Et ça, je ne suis pas Rasta. Je ne suis pas. Non, je vais rester sur je ne suis pas Rasta. Je veux que ça soit vraiment la phrase de l'interview. Sans nom de point, je ne suis pas Rasta. Point d'exclamation. Vraiment, c'est une volonté de ne pas l'être. Mais sinon, non, je ne sais pas ce que. Je sais pas. En fait, les gens dans la chanson. Ouais, les gens que je connais qui font de la chanson me disent c'est du rap. Et les gens qui sont dans le rap me disent c'est de la chanson. Et il y a des fois les gens qui disent l'inverse, du coup je sais pas. Mais je crois qu'on s'en fout. Hein. Par exemple, Didi, mon super copain qui est un ancien de fou, qui écoute quasiment que du rap old school et tout ça, bah, il a aimé les morceaux les plus chantés. Il m'a dit bah c'est trop bien. Et lui, c'est pas posé la question si c'est du rap ou pas. Il m'a dit bah c'est bien, c'est tout, c'est bien. Ça me parle. Il y a beaucoup ce truc dans l'album de répétition. Le laisse-toi guider, j'aime bien ce format là. Je l'ai fait beaucoup sur cet album. Où le laisse-toi guider par la voix dans ta tête, ça revient, c'est une espèce de transe. À la fin de tout partie 1, pareil, ouais, j'ai peur de tout. Le morceau d'après, je répète en boucle, j'assume tout. Et après, je crois que j'ai juste besoin d'amour. Il y a une espèce de truc, je peux me persuader aussi de ce que je dis, tu vois. Je veux là, il y a un côté, on l'assume total. On va répéter les choses 20 fois, comme ça, elles nous transcendent un peu nous-mêmes. Mantra. Mantra religieuse. Non mais oui, j'aime beaucoup les leitmotifs et j'aime beaucoup le truc de répétition. Par exemple, je vous promets, je répète sans cesse, je vous promets au début. Si j'étais pas né, c'est les boucles comme ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment des espèces de petites pièces de puzzle. Et en fait, moi, c'est mes thèmes préférés. Quand je trouve un thème comme ça, je me dis, en vrai, si j'étais pas né, le morceau, il peut durer 3 quarts d'heure. Si je veux, je pourrais en faire un 2. Ah, oh, je vais faire un 2. Oh, je vais faire un 2. Super. Voilà, je viens d'avoir une idée, je vais faire un 2. Comme Old Laugh avec la Tristitude, il a fait 49 versions. Et bah, enfin 49 peut-être plus, peut-être moins. Et ça peut être bien ça de tenter un 2. Allez, j'écris ça en rentrant. Bah ouais, là c'est vraiment énoncer des banalités totales quoi. C'est. Ouais, je vous promets que vous allez vivre jusqu'à votre mort. Mais c'est complètement absurde. Enfin, c'est la façon dont c'est fait, c'est absurde. Alors qu'en fait, tout est si vrai. Après, je sais pas si c'est ce qu'on a besoin d'entendre. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment un morceau qui nous ramène à notre condition. Ouais, le c'est comme ça. Je déteste. Oh, mais c'est comme ça. Bah non. Si tout le monde dit c'est comme ça, c'est sûr, ça bougera jamais. Mais est-ce qu'on l'est pas tous un peu pareil? Ah, mais les indignés flemmards, par contre, ça c'est mon combat. Ah, c'est horrible ce qui se passe, je vais faire un tweet. Merci. Oh, je suis solidaire. Merci de ta solidarité dans ton canapé. Je préfère les gens qui disent rien. Au moins, ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Parce que là, c'est vraiment... qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour améliorer ma conscience aujourd'hui? Allez, je vais dire que je soutiens telle personne. C'est bon. Allez, film. J'adorerais venir avec vous et y croire, en fait. C'est plus ça. Là, c'est super. Moi, je suis très content quand je vois des gens dans la rue. Je suis toujours solidaire de... Bon, sauf la manif pour tous, ce genre de choses, hein, évidemment. Mais quand je vois, là, par exemple, la marche pour le pouvoir d'achat, c'est ça? Contre la vie chère. Contre la Michelle, j'ai appelé ça. Moi, ça m'a fait rire. J'ai rigolé seul. La marche contre la Michelle. On déteste Michelle. Mais ouais, j'ai vu ça. Moi, j'étais hyper solidaire. Mais ça me rend triste parce que j'aimerais beaucoup participer à ce genre de truc et y croire et y aller, quoi. Je me dis bon. Par ailleurs, je mets une cagoule et je casse une banque et je suis content. J'ai un truc avec les banques en ce moment. Déjà chez Move, j'ai dit on va casser des banques. Il m'a dit le CSA va adorer. J'ai fait ah oui, c'est vrai, c'est Radio France. Bah là, y a pas Radio France. Bon, bah allons brûler des banques. Vive les Black Blocs. Mais non, c'est pour les enfants. Tu veux faire quoi plus tard? Je vais être Black Bloc. Super. Si je fais des enfants, ça sera juste dans ce but.
Parce que bon, ça sert à rien non plus d'aller cramer les banques, hein. Parce que c'est nous qui allons payer derrière pour les reconstruire. Mais ça soulage. J'ai jamais fait, mais j'imagine que ça soulage. Mais ça reste pas intelligent et ça ne change aucun problème. Tu vois. C'est pas parce que tu vas cramer une banque que ah du coup les autorités vont réfléchir et peut-être on va arrêter ce système de banque. Non, ça n'arrivera jamais. Bah c'est le Souvarine dans Germinal, c'est ça. C'est le seul qui veut tout faire péter. Et bah au final il arrive à faire péter la mine, mais il la reconstruit derrière et bah tous ceux qui ont manifesté pour plus jamais descendre dans cette mine, bah ils aussi sont descendus parce que bah il y avait plus le choix. Donc personne n'a gagné, à part toujours les mêmes. Toujours les mêmes qui gagnent, c'est mon leitmotiv infini. Ça me dégoûte, mais c'est tout le temps vrai. Ce sont très rares nos victoires. Je parlais de ce que moi je suis un abstentionniste invétéré. Et je parlais avec un copain qui me dit, mais putain, ça te coûte 5 minutes. Si tout le monde fait comme toi, toujours les mêmes qui passent. Je dis, mais il y a toujours les mêmes qui passent. Je lui dis, toi, t'as eu beaucoup de victoires en tant que votant, parce qu'il a 38 ans. Et il me dit, non, j'en ai eu aucune. Je lui dis, alors, ça sert à rien. J'incite pas les gens à pas voter, faites ce que vous voulez. Mais moi, dans mon truc, je suis en mode, putain, mais tu te rends bien compte qu'on perd tout le temps. Même quand Mitterrand passe, et non, ça ne marche pas. Je suis énervé, ça y est. J'étais pas né, hein, mais j'ai bien vu la grosse blague du truc, quoi. C'est bien, la gauche est passée, ils ont créé des zéniths et il y avait qui était ministre de la culture, super. Et la guerre du Golfe et tout ça, allez c'est parti, je suis énervé, mauvaise humeur. M'étonne que les gens boivent après. Oui, j'ai une tournée qui est prévue normalement et on est en train de chercher des dates, là j'attends des nouvelles de mes tourneurs mais ça devrait commencer vers janvier. Enfin là on a fait plusieurs dates, là c'était cool. Et on va préparer ça pour janvier avec une belle résidence, un beau show, tout ça. Je sais pas du tout dans quelles conditions, quelle salle, je n'ai aucune info pour l'instant. Et on m'a dit qu'à partir de janvier, les hostilités allaient commencer. Donc j'ai 2 mois pour me remettre de cette crève. Je sais pas si ça sera suffisant, mais on va tout donner. que dans ma tête, il y a que cramer des banques. Le running gag est si long. Je sais pas, l'amour. Faut me souhaiter l'amour, j'en ai besoin. On a tous besoin, mais moi plus.